Bonjour, voici notre premier Facebook Live qui aura lieu tous les mercredis à 19h30, donc pour une présentation, un cours gratuit. Aujourd'hui, on va s'intéresser, pour ceux qui aiment la musique de film et les autres, au thème de Mowgli. Donc je vous fais écouter ça tout de suite. Voilà, qui n'a jamais rêvé de faire de l'équitation à dos de panthère. Alors, ce thème, comment marche-t-il? Alors, on démarre avec l'accord de Fa majeur. Et ensuite, l'accord de Do mineur 7. Ensuite, on revient avec le Ré mineur 7 et le renversement du Do mineur 7. Je vais vous écrire ça tout de suite après. Et après, on passe au Si bémol et le renversement du Ré 7 nous fait passer en Sol mineur. Voilà, Sol mineur. Et ensuite, on descend au Mi bémol, septième majeur. Ce qui nous fait la transition pour repartir sur le Fa. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, le premier accord, le Fa. Deuxième accord, le Do mineur 7. Alors, quand on voit ça, on se dit, pour ceux qui sont un petit peu avancés, et ça ressemble à un cinquième degré, et ça ressemble à un deuxième degré mineur. Voilà, donc ça ressemble aux deux degrés de la gamme de Si bémol majeur. Ensuite, on revient avec le Ré mineur 7. Donc là, c'est tout simplement une sorte d'équivalence de mon accord de Fa. Donc c'est le troisième degré. Ceux qui ont lu ce que j'explique sur les équivalences seront familiers avec ça. Et ensuite, on a un Mi bémol 6, qui est en fait le renversement du Do mineur 7. Donc ici, nous sommes du coup sur un quatrième degré, ce qui nous permet d'aller sur le Si bémol. Le Si bémol qui est donc le premier degré majeur. Et ici,
On enchaîne avec le renversement de reset sur basse fa dièse. Le reset sur basse fa dièse, c'est le en sol mineur. C'est le cinquième degré qui se résout sur sol mineur, qui est donc le premier degré de cet emprunt. Ici, on a un emprunt en sol mineur. Voilà. Et on descend ici sur mi bémol septième majeur. Alors, mi bémol septième majeur, c'est, si on est en sol mineur, c'est le sixième degré. Sixième degré, ici, on va être probablement en mineur éolien, sixième degré. Et c'est aussi le quatrième degré. Le quatrième degré en si bémol. Ce qui fait que je raccorde. Quand j'arrive sur mon mi bémol septième majeur, je peux raccorder et boucler sur mon fa. Je vous fais écouter tout ça. Je vous laisse la page à l'écran pour que vous entendiez ce que ça fait. Alors, le fa. Le do mineur. Et ici, l'équivalence du fa. Là, on a le mi bémol 6 qui est l'équivalence du do mineur 7 renversé. Le si bémol, donc là, on est sur le premier degré. Et là, ici, on a le reset sur basse fa dièse. Le sol mineur. Et ici, le bémol, mi bémol septième majeur, qui nous permet, comme il appartient aussi à la tonalité de si bémol, de repartir sur le fa. Et ça repartit cinquième degré de la tonalité de si bémol. Alors maintenant, je refais le clavier. Do mineur. Ré mineur. Si bémol. Transforme en reset sur basse fa dièse. Petit emprunt à sol mineur. Et on glisse sur le sixième degré de sol mineur qui nous ramène à un accord quatrième degré de si bémol. Ce qui fait qu'on revient au fa. Voilà. Voilà comment fonctionne le thème de Mowgli. Je vous laisse maintenant le regarder tel qu'il est écrit. Et on va écouter l'action. Ici, on a... J'adore ce film Mowgli. C'est pour ça que ça me fait plaisir de vous faire écouter ce thème. Hop. Alors, ici, il est dans le village. Mmh.
Si on prend ce mineur, il m'évale, qui nous ramène à un corps de fa. Maintenant, tu pourras. Voilà, bon. Et le final. Après le terrible combat contre le tigre. Le tigre et le chasseur ayant disparu, l'avenir passait soudain de l'ombre à la lumière. Mowgli, homme et loup, ou ni l'un ni l'autre, avaient doté la jungle d'une voix. Et tant qu'il resterait à veiller, elle se ferait l'écho du rêve. On a même une version chanson. The moon, the sky will be your guide. The stars at night will take you home again when the wind blows. Alors, si j'ai été trop vite ou si vous avez des questions ou les deux, voilà ce que je vous propose. Sur la page de composition de MAO, du site composition de MAO, vous avez une tonne de ressources. Voilà, sans compter qu'il y en a plein d'autres qui vont arriver, puisque il y a tout le stage SACEM. Donc si on tape SACEM ici dans la recherche, de vidéos qui sont en train d'arriver. Voilà, sur les modes mineurs, sur les. Et puis par rapport à ce qu'on vient de voir ici, vous aurez besoin des septièmes de dominante, vous aurez besoin de comprendre les gammes mineures, etc. Tout est là-dedans, c'est une mine de ressources. Et puis, également, ici, sous ressources gratuites, il y a « Pose tes questions dans les commentaires » et
bombardé de questions, je réponds à toutes les questions. Si vous me demandez comment changer une soupape sur votre sur le moteur de votre voiture, je répondrai que j'en ai pas la moindre idée, mais je vous répondrai. Donc je compte sur vous pour me bombarder de questions. Voilà, et je vous donne rendez-vous tous les mercredis à 19h30. Parfois ce sera moi, parfois ce sera un autre formateur de Studio Capital Enseignement. Je vous souhaite une bonne journée.